Bonjour à tous, et bien bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui on va monter ensemble une ligne pour la pêche de la carpe. Donc j'ai choisi une ligne, on va dire passe-partout, pour la pêche en carpodrome, pour prendre des poissons de 1 kg à 3-4 kg. Donc je vais choisir déjà un nylon très particulier. Donc je vais monter la ligne pour la pêche de la carpe avec du fluoropower. Donc c'est un nylon haut de gamme avec un traitement dessus, avec un revêtement en fluorocarbone. Alors quel intérêt? C'est que ça va lui permettre d'être beaucoup plus résistant qu'un nylon traditionnel dans les zones où il y a des accros, dans les branches. C'est-à-dire que le frottement ne va pas esquinter le nylon, ça va résister vraiment très fortement au frottement et à l'abrasion. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant comme nylon. Donc là j'ai pris un diamètre de 19,7 centièmes. Donc en gros presque un 20 centième, c'est le nylon, on va dire, utilisé par la plupart des pêcheurs en carpodrome sur des pêches traditionnelles. Voilà. Donc le choix de mon flotteur, je vais prendre un flotteur avec une quille relativement moyenne. Généralement les carpodromes, en tout cas de ma région, ne sont pas excessivement profonds. C'est des plans d'eau entre 1 mètre et 2 mètres, 2 mètres 50 de fond. Voilà. Au niveau du flotteur sélectionné, donc c'est un flotteur avec une quille qu'on appelle en matière titane. En fait, je peux la tordre dans tous les sens. Elle reprend toujours sa position initiale, elle est toujours droite. L'antenne, c'est une antenne en plastique creuse en fait, qui est mise sur le titane. Vous avez un œillet sur l'antenne donc, qui permet de donner une force supplémentaire au flotteur, c'est-à-dire qu'en fait, il ne risque pas de s'arracher du fait qu'il soit lié avec l'antenne. Et bien, ça fait un ensemble très solide. En plus, il y a ici, c'est un fil intérieur, c'est-à-dire que le fil va passer dans l'œillet et le nylon passera à l'intérieur du flotteur, à l'intérieur d'une gaine silicone qui va permettre d'éviter tout risque justement de marquage du nylon quand il y aura des très très gros poissons. Et voilà, donc ça ne esquintera pas du tout votre flotteur, même si vous allez sur des plans d'eau où il y a vraiment une grosse densité de carpe, votre flotteur durera dans le temps sans aucun souci. Voilà, donc l'avantage de la quille en titane, c'est que ça va vous donner un flotteur déjà stable, parce que ça a une densité proche du fer, donc le flotteur tiendra très très bien en position, et ça vous donne la souplesse, entre guillemets, d'une quille carbone, qui permet, entre guillemets, d'avoir une souplesse si votre flotteur se coince, votre ligne se coince dans un obstacle, etc. La quille ne risque pas de se tordre. Voilà, ça c'est important. Donc, on va mettre le flotteur sur le corps de ligne. Ah, donc il y a un double passage à faire, bien évidemment, un passage dans l'œillet et également un passage au sein du corps du flotteur, dans la gaine silicone, qui va le protéger. Voilà. Voilà, donc là on voit bien, le flotteur, le fil passe dans l'œillet et après il est carrément intégré dans le flotteur et il est protégé grâce à cette gaine. Ensuite, sur la quille du flotteur, donc on va bien évidemment mettre de la gaine silicone. Voilà. Donc là, par rapport à cette quille-là, je pense qu'une gaine de 0,5 mm sera totalement adaptée. Donc on va couper trois bouts de gaine. Donc deux petits qui font 4-5 mm. Et un très grand qui va faire plutôt 3-4 cm. On met les deux petites gaines en premier sur le nylon. Voilà. La plus longue en dernier. Donc on utilise toujours une grande gaine sur la partie terminale du flotteur pour éviter le risque d'emmêlage lorsque vous manipulez votre ligne. Ça fait un peu un rôle d'amortisseur et ça évite que le fil repasse au-dessus de votre flotteur. Donc c'est toujours intéressant. Et au niveau du positionnement sur la quille, les gaines, donc la première gaine, on la met environ à 3-4 cm du corps du flotteur. La deuxième gaine, on la met en plein centre de la quille. Voilà. Et la troisième, on la met à mi-chemin sur la quille, et donc toute partie est dans le vide sur la partie basse de votre corps de ligne.
Et cette partie-là va faire justement amortisseur et évitera que le nylon aille au-dessus de l'antenne lorsque vous manipulez votre ligne, lorsque vous emmenez votre ligne sur votre zone de pêche. Voilà, très bien. Alors pour la pêche en carpodrome, on utilise principalement des ronds, des plombs cylindriques. Alors l'avantage du plomb cylindrique, c'est qu'il a une fente déjà parfaite qui se positionne très bien sur des nylons de gros diamètre. C'est-à-dire que la difficulté avec les plombs ronds, souvent, c'est que les plombs ronds ont une fente un peu plus restreinte. Le plomb cylindrique, là en l'occurrence les pucs, ont une fente beaucoup plus adaptée à ces gros nylons. Donc là, j'ai pris un flotteur qui va faire 0,5 g. Il faut que je positionne sur ma ligne entre 6 et 8 plombs. Pour la carpe, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Donc on va utiliser... Donc, je vais commencer par des plombs de 7. Voilà, 1. Deux. Je vais en fait, avec les trois premiers plans de 7, je vais globalement équilibrer 50% de la portance de mon flotteur. Donc je viens de finaliser de mettre les plans numéro 7. Donc maintenant je vais mettre un numéro 8. Voilà, un numéro 9. En fait, je vais faire une partie dégressive. Un numéro 10. Et je vais finaliser par un numéro 11. Bon, l'avantage avec les plombs cylindriques, c'est qu'ils sont très très bien fendus et c'est très facile à mettre. Voilà, c'est vraiment très très confortable. Alors, on va contrôler l'équilibrage du flotteur. Donc là, pour l'instant, il me manque quelques plombs. Il y a beaucoup trop du corps du flotteur qui ressort. Donc, je vais rajouter un autre plomb numéro 11, donc je vais doubler en gros le dernier plomb. Voilà. Parfait. On contrôle encore une fois l'équilibrage. Ah, on s'en rapproche. On n'y est pas tout à fait. Mais il y a un paramètre à contrôler et à maîtriser sur la ligne pour la pêche à la carpe au cou. Les lignes, lorsqu'on pêche la carpe au cou, je déconseille fortement l'utilisation d'un bas de ligne, parce qu'un bas de ligne est une partie de nylon qui est globalement relativement court, généralement 15 à 20 cm. Et ce nylon a très peu d'élasticité du fait que la partie est très courte, et quand c'est très peu élastique, le problème qu'il y a, c'est que le risque de rupture est très grand. Si vous montez votre bas de ligne directement sur votre corps de ligne, donc là vous allez avoir un bas de ligne entre guillemets qui va être de 2, 3, 4, voire 5 mètres de longueur, et vous allez avoir toute l'élasticité en fait de votre corps de ligne qui va permettre d'absorber le premier rush et les premiers coups de nez de la carpe. Et là c'est très important, le fait de ne pas avoir ce point de rupture que l'on a sur la pêche au cou des poissons blancs traditionnels, parce que c'est des poissons de taille plus modeste, où on a un bas de ligne de courte taille, et bien de ne pas avoir ce point de rupture qui se trouve à 15 ou 20 cm de votre hameçon, va vous permettre de prendre des poissons déjà beaucoup plus gros, et avec des nylons qui sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc ça c'est très important, de pouvoir avoir cette réserve de puissance dans votre nylon en plus, grâce au fait d'avoir monté votre hameçon directement sur votre corps de ligne. Donc ce qui est également important dans l'équilibrage, donc là je n'avais pas fini avec l'équilibrage, c'est qu'en fait, le poids de l'hameçon n'est pas négligeable en carpodrome, parce que ce sont des hameçons déjà de taille un peu conséquente. Là j'ai sélectionné un numéro 12. Bon, le fer n'est pas non plus trop gros, mais malgré tout,
un hameçon numéro 12 à un certain poids. Et je pense qu'il va falloir monter votre hameçon directement sur votre corde de ligne, repasser à la phase test pour voir si l'équilibrage est bon, avant de pouvoir finaliser justement cet équilibrage avec les plombs cylindriques. Donc, je vais procéder au montage du bas de ligne. Je suis désolé, je suis gaucher, donc je suis obligé d'inverser toute l'organisation. Alors, quand on montait un bas de ligne en direct, c'est relativement simple. On crée une simple boucle. On récupère l'hameçon. On le met. En fait, on coince l'hameçon et il faut que la boucle reste apparente. On prend avec l'autre main la boucle et la courbure de votre hameçon. Vous coincez vraiment fortement en appuyant fermement, de manière à ce que la boucle ne glisse pas et que votre hameçon ne glisse pas également. Et là, nous allons procéder à la mise en place de spire. En fait, on va faire 8 à 10 tours sur la hampe de votre hameçon. 5, 6, 7, 8, 9. Personnellement, j'en fais souvent 9. Donc une fois qu'on a fait ces 9 spires, on bloque l'ensemble des spires pour pas qu'elles se détachent, et on repasse le nylon du corps de ligne dans la boucle qu'on avait coincée préalablement. On tire le nylon sur les deux extrémités, c'est-à-dire qu'en fait on resserre les spires de manière à ce que ça fasse un joli nœud, et ensuite on tire grâce au nylon du corps de ligne les spires vers la palette, et les spires vont venir se coller contre la palette de manière à avoir un montage propre de votre hameçon. Voilà. Donc on coupe l'excédent, vous laissez dépasser de 3-4 mm, hein, coupez pas à ras, ça sert à rien, aucun intérêt. Voilà, donc mon hameçon est monté en direct sur mon corps de ligne. Alors, ce qui est important aussi dans le choix de l'hameçon en carpodrome, il va falloir s'orienter sur des hameçons sans ardillon. C'est important, déjà c'est une obligation, parce que les propriétaires de carpodromes veulent préserver au maximum l'intégrité de leur poisson, et c'est vrai que le fait d'utiliser, de ne pas avoir d'ardillon sur l'hameçon, bah, évite de blesser les lèvres des poissons. Donc c'est important d'avoir un hameçon sans ardillon. Il faut que le fer de l'hameçon sélectionné soit ni trop gros, parce que sinon la carpe va sentir le piège, mais ni trop fin, parce que sinon il aurait tendance à s'ouvrir sur la prise de très gros poissons. Donc il faut trouver le bon compromis. Bon, moi très honnêtement, j'ai fait confiance depuis 2 saisons à cet hameçon qui est le 24-30, qui est un hameçon entre guillemets relativement fort en fer, mais sans être non plus trop puissant. Donc il est relativement assimilable par les poissons. Et du coup, il a une forme assez intéressante parce qu'il a une courbure très large et on peut y loger facilement un pelet, du maïs, un bouquet d'asticots. Bon, en carpodrome, il y a beaucoup de dèches possibles utilisables pour séduire nos amis les carpes. Voilà. Donc je viens de finir de monter l'hameçon en direct. Et bien maintenant, on va procéder à un contrôle de l'équilibrage avec justement le poids de l'hameçon ajouté à nos plombs cylindriques. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait, le flotteur est parfaitement équilibré grâce à l'apport du poids de l'hameçon. Voilà. Donc là, on voit que la partie de l'œillet sur l'antenne est sous l'eau, que la partie supérieure de l'antenne uniquement est bien visible. Bon, en plus, il faut savoir que vous allez rajouter un pelet, un maïs, et ça va contribuer à rééquilibrer votre flotteur. Donc il est important de ne pas trop équilibrer à la base votre antenne, parce que cet ajout de poids sur votre hameçon aura tendance, empêche, à le rendre équilibré, on va dire, au plus juste, et il est fort probable que votre antenne qui sortait intégralement dans votre tube, après, ressorte seulement que de quelques centimètres à la surface. Ce n'est pas très gênant pour la pêche de la carpe parce que les antennes sont assez grosses, les flotteurs sont très visibles, et du coup, on n'a pas besoin d'avoir une antenne entière qui ressorte.
Seulement quelques centimètres d'antenne souvent suffisent pour bien visualiser votre flutter et bien détecter les touches. Au niveau du montage de la ligne, ça va être relativement simple. On va positionner la masse à 20 cm de l'hameçon. Ça sera une masse relativement basse. Et on va laisser un seul plomb de touche qui va situer à une dizaine de centimètres de votre hameçon monté en direct. Le montage est relativement simple pour plusieurs raisons. Déjà, votre ligne, il faut qu'elle soit très stable. Parce qu'en fait, les carpes ont tendance à beaucoup naviguer sur, sur vos pelets, sur vos maïs. Et le fait d'avoir une plombée haute, vous allez avoir tendance à avoir un hameçon qui va être trop libre et qui va voler un peu avant de se positionner sur le fond. Et le problème, c'est que vous risquez d'harponner ces poissons. Ce qu'il faut, c'est avoir une ligne relativement raide pour que le poisson puisse se saisir de lèche sans qu'au préalable, le fil ait eu tendance à voler dans les couches d'eau supérieures. Donc une plombée relativement basse est importante pour la carpe. Ça, c'est très important. Et du coup, le montage est relativement simple. Donc on obtient une ligne en direct. Là, j'ai utilisé un flotteur de 0,50. J'ai une masse de plomb composée de 7 plombs. J'ai un petit plomb ici, donc en tout, j'ai 8 plombs. Le dernier plomb et l'hameçon, en gros, une dizaine de centimètres. 10 cm au-dessus, la masse. Et là, vous avez un réglage qui passera, on va dire, partout dans les pêches traditionnelles de carpodrome. Voilà. Au niveau de l'hameçon, on voit qu'il est excessivement piquant. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait passer à peine à fleur sur les doigts, il s'accroche tout de suite. Là, je me suis transpercé la peau hein, simplement en effleurant avec la pointe de l'hameçon ma peau et est rentré très facilement. Vous voyez, c'est assez incroyable. Je vais l'enlever naturellement comme si je devais décrocher une carpe. Voilà, ça fait rien, hein, ça fait pas mal, bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, on voit bien que l'hameçon a un piquant très, très, très affûté. Mais ça, c'est très important hein, sur la pêche de la carpe. Voilà. Donc maintenant, désormais, on va ranger la ligne sur un plioir adapté. Je possède. Alors, je vais regarder que le plioir soit adapté. Bon, le plioir est totalement adapté à la forme du flotteur. Donc, je possède des plioirs de différentes couleurs. De la même largeur et de la même longueur. J'en ai un vert, un orange et un bleu. C'est simplement un code couleur qui va m'aider fortement pour moi pour sélectionner la longueur de mes lignes. Donc en 2,65 m, donc un kit de brin, je monterai sur du plioir vert. En 4,10 m, un kit 3 brins, un plioir orange. Et en 5,60 m, un kit 4 brins, un plioir bleu. Donc là, en l'occurrence, je vais monter une ligne sur deux brins. Donc je vais prendre le plioir vert. Alors, je me suis fait un petit pense-bête. Lorsque je monte des lignes pour déterminer la bonne longueur de ligne à mettre sur mon plioir, j'ai un petit tableau qui apparaît tout en bas avec un kit K2, c'est ce qui m'intéresse là en l'occurrence, et j'ai un chiffre qui est marqué 19. 19, c'est la longueur de mon plioir, c'est 19 cm. J'ai une barre oblique et à côté, j'ai 15. Donc en fait, j'ai 15 tours à faire sur un plioir de cette longueur-là pour obtenir une longueur qui correspond à mon kit de 2,65 m. Donc on y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là j'ai procédé à la réalisation de la boucle pour pouvoir accrocher ma ligne sur mon plioir. Mais là on est dans le mode carpodrome. Et en carpodrome, on n'utilise pas en fait une simple boucle pour mettre sur un connecteur. En tout cas, moi je suis partisan du connecteur d'Acron. Donc en fait, on va utiliser une double boucle pour relier la ligne à la canne. Donc, comment réaliser une double boucle? C'est relativement simple. Vous commencez par une simple boucle, mais très très grande. Alors quand je dis très très grande, c'est très très grande. Il hein. Faut pas hésiter. Hein. Moi, la boucle, elle est monstrueuse. Là, elle fait, je vais vous dire, presque 7-8 cm de longueur. Donc c'est une boucle simple, grande. On coupe l'excédent. Donc on voit bien apparaître une vraie belle grande boucle. Et ensuite, on procède à la réalisation d'une deuxième boucle, plus petite, qui sera sur la partie haute
on va dire extérieur du nœud. Donc voilà, donc ici on a la grande boucle qui était au départ et j'ai recréé une petite boucle sur la pointe, une boucle de taille traditionnelle, environ 1 cm. Et du coup on a une grosse partie au milieu qui correspond à cette fameuse double boucle. Voilà, donc on a une boucle et une deuxième boucle. Avant de vous montrer comment connecter votre ligne à votre Dacron, je vais vous expliquer en fait pour quelles raisons on est parti là-dessus et pourquoi on n'utilise plus le traditionnel connecteur. On va dire en plastique rigide, ben, tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous pêchez la carpe, bon, malheureusement, il peut arriver que vous décrochiez un poisson parce que harponné, parce que malheureusement, le poisson s'est décroché pour des raisons diverses et variées. Et lorsque le poisson se décroche, le problème, c'est lorsque vous aviez une pièce plastique assez rigide, il peut y avoir un contact fort entre cette pièce plastique qui rentrait dans votre sillon et justement votre canne en carbone. Et ça pouvait être une source de casse éventuellement de votre sion. Voilà, parce que quand une pièce plastique rigide rentre en force rapidement sur le carbone pour peu qu'il rentre dans un mauvais axe, et bien ça pourrait contraindre et créer un impact négatif sur votre canne. Donc du coup, on a utilisé un dacron. Le dacron, c'est en fait, c'est une espèce de matière utilisée par les carpistes. C'est une espèce de tresse très souple sur lequel on a mis une petite pièce en plastique tendre, très très souple également. Et lorsque vous avez malheureusement une décroche de poisson, lorsque ça va se décrocher, que votre élastique va revenir, ben cette pièce est tellement tendre que ça ne risque pas du tout d'esquinter votre canne et d'avoir un effet négatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise ce fameux dacron. Et en plus, l'autre avantage, c'est que le dacron est très léger. Et c'est ça prendra beaucoup moins de place que d'avoir un connecteur en plastique rigide dans lequel on devrait faire un nœud et qui devrait être d'un volume assez gros pour pouvoir contenir ce nœud. Là, avec un dacron, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus léger et le système de verrouillage du nœud est beaucoup plus simple. Voilà. Donc maintenant, comment connecter cette fameuse double boucle à notre dacron? Donc on voit le fameux dacron qui est ici. Donc on a notre élastique qui est monté sur deux brins. On voit le dacron, c'est cette partie-là. Les parties souples là en fait, voilà. Et donc c'est raccroché avec une petite pièce en plastique très très soft qui sera elle pas du tout agressive en cas de retour. Donc maintenant comment connecter tout cela? Donc on a la double boucle qui est ici. On a votre corde de ligne qui est vers le bas. Je forme une boucle avec le corde de ligne. Voilà. Donc là j'ai une boucle de formée avec le corde de ligne. J'ouvre la grande boucle. La grande boucle qui est formée ici, je l'ouvre. Je passe la boucle fictive que j'ai créée dans ma main gauche, je la passe au centre de la grande boucle. Donc, j'ai ma boucle fictive qui est au centre de la grande boucle. Je récupère la partie dacron, je mets la boucle fictive dans mon dacron et je bloque cette boucle-là, fictive, et je tire sur l'ensemble. Voilà. Ça fait un nœud coulant, en fait, tout simplement. Et ça vient se positionner sur mon dacron. Voilà. Et là, on voit que la ligne est complètement connectée. Alors, on va se dire, mais bien, ça va, s'il prend une grosse carpe, il y a de grandes chances que, malheureusement, il la perde. Ça pourrait se décrocher. Non, aucun risque. Ça ne peut pas arriver. Votre ligne ne peut pas se décrocher du dacron. En fait, c'est vraiment un nœud coulissant. Et comme il est coulissant, plus vous tirez dessus, plus il se resserre. Et de toute façon, même détendu, il ne peut pas se desserrer. Par contre, pour récupérer votre ligne à la fin de la partie de pêche, on a cette fameuse double boucle. La deuxième petite boucle, toute petite qu'on a fait en deuxième lieu, on va pouvoir tirer dessus. Et comme par enchantement, tout s'enlève. C'est bizarre, on se dit, tiens, ça s'enlève tout seul. Alors comment ça peut ne pas s'enlever lorsqu'on a un gros poisson? C'est la magie du nœud coulant qui permet de faire ça. On va le refaire une deuxième fois pour bien vous expliquer, pour bien comprendre la technique, parce que c'est vrai que c'est jamais trop facile. Donc là, j'ai ma double boucle, la petite qui est ici, la grande qui est en dessous. Je prends mon corps de ligne, je forme une boucle, tout simplement. Cette grande boucle que je forme, qui est fictive, je vais la glisser dans la grande boucle
qui était créé au préalable. Voilà, donc on voit bien, ma grande boucle est de là à là, et là j'ai ma boucle fictive que j'ai créée juste avec mon corps de ligne. Cette grande boucle fictive, je la coince sur mon dacron, je bloque le fil avec mes doigts sur mon dacron, et je tire l'ensemble. Je tire, jusqu'à temps que ça coulisse, et hop, et ça arrive au bout. Voilà. Donc là, on a le nœud coulissant, le nœud coulant est bien positionné. Là, aucun problème. La carpe pourra tirer, ça ne risque pas de se décrocher. Voilà, à la fin de la partie de pêche, on retrouve ici la deuxième boucle, la petite boucle qui est ici. Et on tire simplement sur cette petite boucle. Et le tour est joué, la ligne est enlevée. Voilà. Donc voilà, les amis. Donc on a vu comment monter une ligne à carpe. Comment la connecter à votre kit dédié pour la pêche de ces gros poissons. Comment connecter cette ligne, donc du coup, au connecteur d'Acron. Et ben, maintenant, j'ai plus qu'à vous dire, amusez-vous bien et à très bientôt, à très vite. Au revoir. Thank you.